Hello there. Salut tout le monde, ou re-salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On continue notre marathon des films Pixar, et après la critique de Toy Story premier du nom, voici ma critique de Toy Story 2. Spoiler alerte, c'est celui que je préfère. Toy Story 2 est le troisième long métrage des studios Pixar, sorti en 1999, et c'est co-réalisé par John Lasseter, Ash Brannon et le formidable Lee Unkrich. Au niveau de l'histoire, c'est tout bête, c'est la suite directe du premier volet, je ne vous l'apprends pas. La mission de ce deuxième volet, ça a été évidemment de faire mieux que le premier, qui était déjà considéré comme un chef-d'œuvre par pas mal de monde. Et à mon sens, cette suite est phénoménale. Je rappelle bien évidemment que c'est un avis personnel et que ça n'engage que moi. Pourquoi à mon sens, cette suite est le meilleur film de la saga Toy Story? Tout simplement pour ce qu'il a à offrir en termes d'histoire, de personnages, de rythme, de narration, de mise en scène, de référence, et j'en passe et des meilleurs. Pour moi, ce film n'est pas seulement qu'une extension de l'univers Toy Story, mais c'est une suite qui a eu plus d'ambition que son aîné. Et puis de toute façon, et ça, personne ne me fera changer d'avis, ce film a carrément la meilleure introduction, tout Pixar confondu. Procédons méthodiquement et parlons d'abord des nouveaux personnages de ce long métrage. Ils sont encore une fois tous géniaux et tous très bien écrits. Avec Toy Story 2, on ressent vraiment beaucoup toute la créativité et tout le génie qui a fait de Pixar ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout d'abord, ils ont ajouté ce qui manquait cruellement au premier film, c'est-à-dire un personnage féminin fort. Et quel personnage! Elle est ultra attachante et elle a vraiment de super valeurs. Ensuite, on a le chercheur d'or qui va se retrouver être l'un des deux antagonistes du film. Et franchement, quel charisme, quel personnage! On est à des années-lumière de Sid! Ça va, mes petits mammifères? Je suis Sid, le paresseux du film L'âge de glace. Ensemble, on va apprendre une nouvelle danse, la dérive des continents. Allez, debout sur vos deux jambes! Vous verrez, c'est pas dur, faites juste comme moi! Et quand je dis à des années-lumière, je veux dire que c'est clairement un meilleur antagoniste que Sid. Nous avons aussi pile-poil le cheval. Là aussi, c'est un personnage ultra attachant et très drôle. Et enfin, nous avons Hal, qui à mon avis, est une espèce de grosse caricature de l'américain de base. Et dans ce film, qu'est-ce qu'il est insupportable! Voleur, pas propre, malhonnête, hypocrite, hystérique, on dirait presque qu'il détient tous les défauts que l'espèce humaine peut avoir. Et encore, je suis gentil. Et tous les personnages que je viens de citer, c'est les personnages principaux. Mais on a aussi des personnages secondaires comme Barbie ou encore le terrible Zurg. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans cette suite, c'est que Woody va se retrouver un peu à la place de Buzz dans le premier film. Il va être idolâtré par ses compagnons, se rendre compte qu'il est ultra célèbre, contrairement à ce qu'il pensait, et il va bien évidemment en voir le bon côté comme le mauvais côté. C'est encore une fois une véritable lutte contre l'égoïsme et une véritable mise en avant des valeurs de l'amitié. Pour conclure là-dessus, le film, au niveau de son histoire, est un véritable roller coaster émotionnel. Autre point qui saute aux yeux, et ça dès le début du film, c'est qu'on voit qu'il y a eu une vraie évolution au niveau de la 3D et surtout au niveau des jouets. Parce que les humains, à part Hal et le nettoyeur, ce n'est pas encore ça. Et techniquement, le progrès n'est pas qu'au niveau de la 3D, on le sent aussi dans la décomposition des mouvements des personnages qui est beaucoup moins rigide, mais aussi au niveau des animations faciales ou encore au niveau des jeux de lumière. C'est assez ouf. Et enfin, dernier point qui me marque à chaque fois, c'est encore une fois les références que le film fait à la pop culture. Je vous passe quelques extraits et sachez que ça, c'est juste au début du film. Ah,
à part Star Wars, on a aussi une référence à Jurassic Park quand Rex court après la voiture dans la ferme aux jouets. Au début, on a une grosse référence au vieux Superman. On a aussi plusieurs références à Mille et Une Pattes, dont une bien visible sur ce plan où l'on voit le scarabée. Le plus drôle comme référence est évidemment le fait que Toy Story fait référence à Toy Story via ce plan. On retrouve exactement le même dans le premier, quand Woody découvre pour la première fois Buzz sur le lit d'Andy. On a aussi une référence à James Bond, à Goldfinger plus précisément. Quand Monsieur Patate jette son chapeau melon pour bloquer la porte, ça rappelle bien évidemment cette scène-là dans Goldfinger. Et la dernière que je citerai, et pour moi, c'est la meilleure référence du film, et d'ailleurs, c'est sûrement à cause d'elle qu'on se trompe à chaque fois, mais bref, c'est celle-là. Rends-toi, Buzz l'éclair, tu es vaincu. Jamais je ne me rendrai. Vous avez tué mon père. Non, Buzz, je suis ton père. Je dis que c'est à cause d'elle qu'on se trompe sur la réplique, c'est parce que l'original dans Star Wars, c'est ça. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que d'un côté, ça veut dire que la réplique de Toy Story 2 est devenue beaucoup plus culte que celle de Star Wars. Triste ironie. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le deuxième Toy Story, et cette critique touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, c'est bien évidemment tout le but, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager autour de vous, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Les nouveaux, je vous invite bien évidemment à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que Toy Story 2 est meilleur que le premier ou non. Vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. On se retrouve très bientôt pour la critique de Toy Story 3. Mais d'ici là, portez-vous bien. Tout le monde en voiture ! Je l'ai ! Oh, Buzz, tu viens avec nous ? Non, j'ai tellement de choses à rattraper avec mon père. Bien joué, Buzzy. Continue comme ça, tu es un bon garçon. Oh, ça c'est mon papa à moi, youpi ! Alors, salutations !